Partout sur la planète Terre pullulent des organismes porteurs de maladies. Tout comme nous, les animaux en sont victimes. Mais ils ne se laissent pas faire. Loin de là. Au sein du règne animal, petits et grands, faibles et forts, ont développé une pratique inattendue. Ils se soignent. Pour découvrir comment les animaux combattent la maladie, nous allons partir autour du monde à la recherche des secrets de la médecine animale. Voici l'adversaire. Ce minuscule microbe se classe pourtant parmi les plus résistants des organismes. Ce sont eux qui provoquent les maladies. Ils sont transmis aux animaux par des parasites comme les poux au moment où ils se nourrissent de leur sang. Pour survivre, les animaux doivent se débarrasser des microbes, mais aussi de ceux qui les véhiculent. Ils ont adopté l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Notre première escale a pour cadre le parc national Mahale de Tanzanie en Afrique de l'Est. Leçon numéro 1 donnée par le règne animal. Une hygiène stricte. Les chimpanzés sont harcelés par les poux et les tiques, des parasites qui se nourrissent de sang chaud. Une fois accrochée à la peau, la femelle tique se gorge de sang jusqu'au moment de sa reproduction. Une attaque sévère risquerait d'affaiblir ce jeune macaque rhésus en le vidant de son sang. De plus, les tiques transmettent des bactéries pathogènes responsables du typhus et de la maladie de Lyme. Pour s'en préserver, rien ne vaut une séance dépouillage qu'accompagne un curieux comportement consistant à claquer des lèvres. Ce rituel dure jusqu'à 3 heures par jour. Son but ? Débarrasser efficacement les singes des parasites et diminuer le risque de maladie. Aucune partie du corps ne doit être négligée. La technique est très au point. Les lentes sont arrachées avec les lèvres, les doigts, voire même des feuilles, puis ingérées. On a toujours besoin de quelqu'un pour s'épouiller. Voilà donc une bonne raison de vivre ensemble. Cet acte joue aussi un autre rôle dans les sociétés de singes. Se faire de nouveaux amis et renouer avec d'anciennes connaissances. Un simple lissage, cependant, n'est pas toujours suffisant. Alors les étourneaux ont découvert une méthode ingénieuse pour nettoyer leur plumage. Pour détourner les prédateurs et attraper leurs proies, les fourmis des bois européennes produisent un acide formique très concentré. Les étourneaux, eux, en font une toute autre utilisation. En brossant les fourmis contre leur corps, les oiseaux calmeraient la démangeaison due à la croissance des plumes car l'acide formique soulage la douleur.
il est aussi fatal aux acariens logés dans les plumes. Certains types de fourmis fournissent aussi d'autres éléments chimiques, comme des acides gras capables de tuer les microbes. Pour les étourneaux, utiliser les fourmis semble constituer une stratégie globale de soin de la peau et du corps. Mais ces pauvres fourmis ont aussi leurs problèmes de santé. Elles sont des dizaines de milliers à vivre dans cette fourmilière chaude et bourrée de provisions. Un véritable Éden pour les bactéries et les champignons. Pour se prémunir contre cette menace, les fourmis aussi pratiquent une hygiène stricte, à commencer par l'évacuation de leurs morts. Elles sortent également les ordures, cocons usagés, restes de repas et tout autre élément susceptible de se putréfier. Lorsque les corps se décomposent, ils produisent des phéromones indiquant aux croque-morts qu'il est temps d'agir. Leur marche funèbre s'achève sans trop de cérémonie. Les fourmis parquent leurs morts et leurs ordures dans des lieux précis, aux limites de leur territoire pour tenir la fourmilière à l'abri. Si les étourneaux sont en quête de fourmis vénéneuses pour soulager leurs maux, d'autres animaux n'ont pas besoin de regarder plus loin que le bout de leur langue. Même les chiens domestiques accordent une grande attention à l'hygiène. Cette chienne élimine les germes pathogènes grâce aux agents chimiques de sa salive. Deux souches de bactéries, Escherichia coli et Streptococcus canis, peuvent être fatales aux chiots nouveau-nés. Ils les attrapent en têtant, mais elles sont détruites par les combinaisons protéiniques de la salive. Les recherches du professeur Ben Hart de l'école de médecine vétérinaire de Davis en Californie ont montré que la salive des chiens, mais aussi des chats et des rats, agissait comme un puissant antiseptique. Les ancêtres de nos animaux domestiques, comme d'autres animaux vivant dans la nature, ne disposent pas de services vétérinaires à proximité. Personne ne les vaccine, personne ne les traite quand ils sont malades, personne ne prend soin d'eux. Et pourtant, ils survivent plutôt bien. En fait, ils se portent même très bien. Il doit donc y avoir quelque chose dans le fait que les animaux prennent soin d'eux qui leur permet de paraître à peu près aussi sains que ceux qui sont sous notre protection. Une hygiène instinctive maintient la plupart des animaux en bonne santé. Mais les habitudes alimentaires sont également essentielles, particulièrement à l'état sauvage, là où le faible est rapidement mis à l'écart. Maintenant, cap sur l'est de l'Atlantique, vers l'Écosse, pour assister à une scène inédite. L'île de Rome fait partie de l'archipel des Hébrides, située sur la côte ouest de l'Écosse. Son climat est rude et le sol de l'île pauvre et inculte. Les cerfs ont été introduits ici au XVIIIe siècle. Leur habitat naturel est la forêt. Ils ont dû s'adapter aux côtes rocheuses, aux collines de granit et aux landes balayées par les vents. Les cerfs doivent lutter pour trouver la nourriture et les minéraux dont ils ont besoin pour survivre. C'est pour cette raison qu'ils sont de petite taille pour leur espèce. Et ils ont adopté un régime alimentaire plus que surprenant pour les scientifiques. Le professeur Bob Furness de l'Université de Glasgow est un spécialiste des oiseaux marins. Alors qu'il s'installait un jour sur l'île pour étudier l'importante population estivale de puffins des Anglais, il a fait une découverte extrêmement troublante. Vers la fin du mois d'août, avant que les longs mois d'hiver ne fassent leur apparition, les puffins adultes abandonnent leurs poussins pour migrer vers l'Atlantique Sud. Protégés par la nuit, les poussins émergent de leur terrier pour s'exercer à voler en prévision de leur premier voyage au long cours en solitaire. Nos caméras infrarouges captent le spectacle du premier vol des puffins.
Les cerfs broutent autour des terriers des oiseaux, là où l'herbe est enrichie par leurs fientes. Pour les poussins encore au sol, ces ruminants représentent une menace mortelle. Nous avons remarqué que les cerfs ramassaient occasionnellement un poussin puffin dans leur bouche et le mâchonnaient. Ils le mastiquaient vraiment soigneusement pendant 15 à 20 minutes, puis ils le relâchaient. Et nous avons été stupéfaits de découvrir que tous les os des ailes avaient été broyés, mais que les ailes étaient laissées de côté. Puis que les os des jambes avaient été mastiqués, mais que les pattes étaient toujours rattachées au corps par les tendons et la peau. Bob Furness pense que les cerfs ne sont pas intéressés par la chair des oiseaux, mais par le calcium de leurs os, un minéral essentiel pour la croissance de leur squelette et de leur bois. Il semble assez clair que ces animaux agissent ainsi délibérément. Ils savent ce qu'ils ramassent et savent exactement comment le manipuler pour en extraire les os. Des recherches ont montré que cela améliorait leurs conditions physiques et leurs capacités reproductives. Les cerfs sont donc soumis à une forte pression sélective pour trouver ces minéraux si bénéfiques. Tout comme les cerfs, pour le moins déviants, de l'île de Rome, les animaux sont prêts à tout pour trouver les minéraux indispensables à leur équilibre. Un autre minéral est essentiel à la santé des animaux, qui sont prêts au plus périlleux des périples pour s'en procurer. Nous voici sur les hauteurs du parc national Aberdare, au Kenya, point de ralliement des éléphants. La matière qu'ils viennent y chercher, si précieuse à leurs yeux, est tout simplement le sel de la terre. Il joue un rôle crucial dans leur vie ainsi que dans la nôtre. Tout comme l'air et l'eau, il est essentiel à notre survie. Dans la nature, en trouver suffisamment peut se révéler laborieux. Les plantes n'en renferment que de faibles quantités, inférieures à la centaine de grammes nécessaires chaque jour à un éléphant pour rester en bonne santé. Le sel permet au corps des mammifères de ne pas perdre ses matières liquides, mais il est éliminé par la sueur et l'urine. Si le rapport en sel diminue, ces éléphants risquent la déshydratation et la mort. Ils rallient régulièrement le même terrain salé parce que leur vie, comme celle des buffles et d'autres mammifères, en dépend. Leur appétit de sel est si grand que leur quête se poursuit une fois la nuit tombée. Ces mammifères se nourrissent de feuilles et d'herbages, mais les plantes qui constituent leur alimentation sont truffées de toxines. Le sel possède une seconde fonction thérapeutique. Il ne prévient pas seulement la déshydratation, mais neutralise aussi les toxines végétales dans l'intestin. La faune et la flore entretiennent une relation ambiguë, résultat de plusieurs milliers d'années d'évolution. La flore offre généreusement nourriture et remèdes, mais peut aussi être dangereusement pathogène. Au cours de leur évolution parallèle à celle des animaux, les plantes ont développé de nombreuses défenses.
Ces protections physiques, comme les piquants, les épines et l'écorce, rendent difficile leur consommation. Les plantes produisent aussi des armes chimiques très efficaces. Des composants toxiques, tels que des alcaloïdes et des tanins, se cachent sous l'écorce dans la résine et la sève. Ces poisons sont envoyés dans la tige et les feuilles, toute zone vulnérable à l'agression, pour leur donner un goût amer, décourageant les prédateurs. Les herbivores sont confrontés quotidiennement à cette jungle de substances mortelles. Pourquoi n'en sont-ils pas victimes? Nous partons pour l'île de Zanzibar, au large des côtes tanzaniennes, pour comprendre comment les animaux font face à l'empoisonnement végétal. Parce que le sol des forêts tropicales est pauvre en nutriments, les arbres poussant ici protègent leurs feuilles avec des doses élevées de composés défensifs. Les feuilles d'amandiers indiens et de manguiers forment la majeure partie du régime alimentaire des singes colobes rouges de Zanzibar. Leurs feuilles sont riches en protéines, mais contiennent aussi des phénols. À haute dose, ces substances chimiques empoisonneraient les singes ou provoqueraient au moins une indigestion. Mais il semble que les colobes rouges aient trouvé un antidote. Ils ont appris à manger du charbon. Les colobes se saisissent des restes dans les fours de cuisson. Ils savourent aussi les arbres carbonisés par le brûlage des pâturages. Ce jeune colobe apprend comment utiliser ce remède en imitant sa mère. Le charbon agit comme une éponge dans l'estomac, en s'imbibant des toxines présentes dans les plantes pour les en extraire sans dommage. Ces singes avalent quotidiennement plusieurs grammes de charbon. La quantité qu'ils ingèrent est comparable à celle que l'on recommande pour traiter les cas d'overdose ou d'empoisonnement chez les humains. Personne ne sait comment les colobes rouges de Zanzibar ont appris à utiliser cet antidote qu'ils sont, à l'exception des humains, presque les seuls à utiliser. Mais peu d'animaux consomment du charbon. Nombreux sont ceux qui mangent de l'argile. Cette argile rouge attire des centaines de perroquets amazones et de haras sur les berges du fleuve Tambopata au Pérou. Ils se rassemblent ici pour se purger des effets indésirables dus à l'absorption de graines et de fruits verts. Leur régime naturel est riche en acides tanins et en toxines alcaloïdes comme la quinine et la strychnine. La terre joue le même rôle que le charbon. Elle contient des minéraux qui s'agrègent aux toxines pour les expulser des intestins. Manger de l'argile est l'une des prescriptions naturelles les plus répandues du règne animal. Cette pratique s'étend aux éléphants, girafes, rhinocéros et autres animaux, dont les primates. L'instinct de survie est la chose la mieux partagée au monde. Les animaux sont nombreux à posséder des stratégies de prévention de la maladie. Mais que se passe-t-il si elles échouent? La petite île de Cayo Santiago s'étend dans la mer caribéenne au large de Puerto Rico. Des macaques rhésus vivent ici dans l'un des plus anciens centres de recherche sur les primates.
les macaques ne sont pas natifs des Caraïbes. Ils ont été introduits en provenance d'Inde dans le cadre de recherches il y a une cinquantaine d'années. Même si on les approvisionne chaque jour en nourriture, les singes passent une bonne partie de leur temps à sillonner l'île en quête de plantes. Comme les autres animaux vivant dans la nature, ils sont exposés aux maladies. Le climat subtropical et les habitudes alimentaires des macaques les rendent particulièrement sensibles aux parasites intestinaux. Ils sont infectés en avalant accidentellement des œufs de ver enfouis dans le sol. Le symptôme le plus évident est la diarrhée, avec parfois une conséquence fatale, la déshydratation. Cette colonie de macaques jouit cependant d'un taux de reproduction élevé et d'une faible mortalité. Ils paraissent aptes à faire face à l'infection, voire même à traiter ses symptômes. La terre argileuse renferme un minéral nommé kaolin qui limite la perte de fluide. Les macaques sauraient donc comment stopper la diarrhée causée par les parasites. Et ils en mangent tellement qu'ils ont creusé sur l'île des dizaines de mines d'argile comme celle-ci. L'argile pourrait aussi neutraliser les toxines des plantes ingurgitées, tout comme le charbon des colobes rouges de Zanzibar. L'utilisation de l'argile par les macaques reflète une pratique de notre propre espèce. L'Homo sapiens, lui aussi, mange de la terre. Les aborigènes, les Africains, les Chinois comme les Européens avalent de l'argile pour lutter contre les problèmes digestifs et intestinaux. Si la nature est la pharmacie des animaux, elle est aussi la nôtre. La nature soigne autant qu'elle empoisonne. Les animaux et les humains ont appris à manier cette épée à double tranchant. Il y a 3000 ans, les Grecs anciens connaissaient les bénéfices des poisons naturels. La légende raconte qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, Mithridate, roi de Pontus en Asie mineure, s'était immunisé contre l'empoisonnement en prenant chaque jour de petites doses de substances mortelles. Paracelse, le physicien médiéval, écrivait « La dose fait le poison ». En d'autres termes, en excès, il vous tuera, mais en petite quantité, il aura des vertus curatives. Ce que l'on appelle poison forme la base de la pharmacopée. Bien avant la chimie moderne, les animaux ont commencé à utiliser les toxines des plantes pour leur propre protection contre la maladie et l'infection. Les prés et forêts sont devenus leur placard à pharmacie. Tous, jusqu'à ceux qui vivent à nos portes, ont appris à puiser dans ces ressources. Même le modeste hérisson semble avoir repéré un traitement végétal bénéfique. Sous ses piquants, ce petit animal est victime des galles, des acariens et des tiques. Les hérissons sont aussi connus pour leurs puces. Contrairement aux singes,
Les hérissons ne s'épouillent pas entre eux, mais ils ont découvert un substitut. Ils sont attirés par les odeurs puissantes des plantes comme la menthe et la citronnelle. Les hérissons mastiquent leurs feuilles pour fabriquer une fine mousse qu'ils s'étalent sur le corps. Les raisons de cet étrange comportement ne sont pas strictement établies. Beaucoup d'essences végétales sont d'excellents pesticides. Les hérissons pourraient les utiliser pour contrôler leurs parasites. Le résultat est visible. Les puces déguerpissent. Les animaux utilisent les plantes comme remède, mais comment distinguer celles qui fonctionnent ? L'odeur est-elle un indicateur d'efficacité ? Nous sommes maintenant en Amérique centrale, où de grandes bandes de capucins à face blanche vivent dans les forêts bordant la côte pacifique du Costa Rica. Ces singes frictionnent leur fourrure avec des plantes collectées dans la forêt. Dans la réserve Kourou, ils se frottent avec des tiges de clématite, des cosses de graines de sloanea, des feuilles de piper et des agrumes. Ils le font surtout durant les mois humides de la saison des pluies lorsque les insectes et les microbes pullulent. Les agents chimiques contenus dans ces plantes inhibent la croissance des champignons et des bactéries et repoussent les fourmis. Le docteur Mary Baker, anthropologue à l'université Riverside de Californie, a étudié la sélection des plantes par les singes. Les indices olfactifs, la senteur sont des stimuli. Mais je ne savais pas s'il y avait d'autres signes pour reconnaître les plantes ou stimuler ce comportement. L'une des choses que je voulais découvrir était la façon dont ils reconnaissaient ces plantes. Est-ce purement olfactif ou peuvent-ils les reconnaître visuellement ? Utilisent-ils leur goût ? Usent-ils d'indices tactiles ? Grâce à une série d'expériences, Mary Baker a découvert que les paramètres déterminant le choix d'une plante sont l'odeur et l'apparence. Mais elle a aussi observé que les jeunes capucins font parfois des erreurs et choisissent la mauvaise plante. Cette sélection serait donc le fruit d'un apprentissage. Quand on observe différentes bandes dans plusieurs réserves, les mêmes plantes sont accessibles aux singes, mais chaque bande utilise son propre assortiment de plantes, ce qui suggère qu'ils apprennent des autres singes de leur bande à identifier les plantes avec lesquelles ils se frictionnent. Comme l'ingestion de charbon par les colobes rouges, cette habitude des capucins paraît se transmettre d'une génération à la suivante. Les quatre espèces de capucins frictionnent des plantes sur leur fourrure. Ce comportement suggère que l'instinct et la génétique jouent aussi un rôle. Les singes savent quelles plantes choisir, mais cela n'implique pas qu'ils en connaissent aussi les propriétés thérapeutiques. Ces expérimentations m'ont amené à la conclusion qu'ils sont tout à fait conscients de certaines qualités des plantes. Mais ce qu'ils retirent de ces qualités, peut-il être un plaisir ou une propriété médicale ? Ça, je n'en sais rien. Les capucins agiraient-ils ainsi juste pour le plaisir
en quête de fraîcheur un jour de forte chaleur? Comment savoir vraiment pourquoi ils frictionnent leur fourrure ou pourquoi les hérissons se tartinent de mousse? L'expérience humaine de la médecine traditionnelle laisse penser que les capucins pratiquent vraiment l'automédication. Marie Becker a découvert que des peuples indigènes d'Amérique centrale traitaient les maladies internes et les affections de la peau avec les mêmes plantes que les capucins. L'homme a longtemps observé les usages des animaux malades pour découvrir comment soigner ses propres maux. La mythologie des Indiens Navajo évoque une plante nommée Ocha. Pour certains, son utilisation pourrait être issue de l'observation d'ours déterrant des racines, les mastiquant puis les frottant contre leur fourrure. Léon Secatero est guérisseur traditionnel. Souvent, lorsque certains d'entre nous suivent un ours, s'il est blessé ou malade, il voit qu'il se soigne de multiples façons et sait exactement quelle sorte de plante médicinale il doit trouver ou manger. C'est comme ça que nous apprenons. La plante Ocha nous est venue des ours. Beaucoup de plantes que nous utilisons nous viennent des animaux. Depuis des centaines de milliers d'années, les animaux connaissent ces plantes et ont été les premiers à les utiliser. La médecine nous est transmise par les animaux. La plante Ocha occupe une place particulière dans la culture navajo. On l'administre contre la grippe intestinale et pour faire baisser la fièvre. Elle agit en tant qu'anesthésique et antibactérien. La médecine traditionnelle reflète notre passé commun partagé avec le monde animal. Il n'est donc pas surprenant que des humains et des animaux vivant dans le même environnement utilisent les mêmes plantes pour traiter les symptômes de maladies similaires. Les animaux utilisent cependant des remèdes végétaux que nous ne serons peut-être jamais aptes à exploiter. C'est le cas du poison qui provoqua l'agonie du philosophe grec Socrate. Une chenille l'utilise au contraire pour survivre à une attaque de parasites. Au printemps, la chenille Eka Isabelle se nourrit voracement. Elle fait des réserves de graisse pour être prête à muer en chrysalide. C'est au moment où elle est bien odue que les parasites lancent leur attaque. Les mouches jettent leur dévolu sur les chenilles, attendant le moment opportun pour injecter leurs œufs dans l'abdomen des Eka Isabelle. Les larves de mouches se développent à l'intérieur, s'alimentant de la graisse des chenilles. Quand il a grandi, l'asticot s'extrait de l'abdomen pour rejoindre le monde extérieur. Comment une créature peut-elle survivre à une telle épreuve? Selon le professeur Rick Carban, le secret des chenilles tient à leur alimentation. Il a mis en cage à la réserve Bodega Marine en Californie des chenilles mangeant deux plantes très distinctes. Les lupins des bois, leur plaisir favori, et la ciguë vénéneuse. De retour au labo, en utilisant un moniteur à ultrasons pour détecter les chenilles infectées, Rick Carban a fait une découverte marquante. Les chances de survie des chenilles à cet événement traumatisant constitué par l'éclosion de 5 larves au pire augmente si la chenille s'est nourrie de ciguë vénéneuse. La chenille est aussi plus encline à choisir la ciguë si elle est parasitée.
Les chenilles malades changent donc de préférence alimentaire. Elles mangent du poison délibérément. La ciguë ne tue pas les larves de mouches, mais elle permet aux chenilles de survivre à l'attaque. La ciguë est riche en composés azotés extrêmement toxiques. Une dose infime est largement suffisante pour tuer un grand vertébré, d'autant plus une chenille. Ces insectes semblent pouvoir faire transiter les alcaloïdes si rapidement au sein de leur système que les toxines ne pénètrent pas leur tissu corporel. Les chenilles n'ont pas de cerveau, mais elles sont capables de comportements complexes pour répondre aux changements de leur état de santé. Est-ce une décision consciente du type de celle que nous pourrions prendre? Probablement pas. Rick Carban attribue leurs actions à la pression de la sélection naturelle. La sélection naturelle peut agir sur des animaux tels que les chenilles qui n'ont pas de système nerveux central très développé. Aucune pensée n'est à l'œuvre. Mais le comportement peut cependant être relativement complexe et s'adapter lorsque l'insecte change pour se défendre contre ses ennemis. Même si les chenilles ne savent pas pourquoi elles consomment de la ciguë, cet acte montre qu'elles peuvent récupérer d'une attaque, muer et se métamorphoser en papillon de nuit. La pression de l'évolution pousse les animaux à agir pour rester en bonne santé. Que ce comportement soit conscient ou pas, il a des retentissements importants. Ici, dans la forêt de Kirindi, à Madagascar, une espèce de primate utilise une plante pour stimuler ses capacités reproductives. Le docteur Valentina Carai, une chercheuse italienne de l'université de Pise, traque des lémuriens nommés Sifaka, une espèce endémique de cette île de l'océan Indien. En observant l'alimentation des femelles enceintes ou en train d'allaiter, elle a recueilli des résultats surprenants. Cette femelle Sifaka mange les feuilles d'un arbre tamarin appelé kili par les malgaches. Ces feuilles contiennent de hautes doses de tanin, un composé toxique. Il se lie aux protéines dans l'intestin de l'animal et provoque des indigestions. Mais les femelles Sifaka en raffolent, surtout lorsqu'elles sont enceintes ou viennent de donner la vie. Si le tanin est utilisé à bonne dose, il peut être utile à l'animal pour augmenter son poids ou sa production de lait au moment de la lactation. Les vétérinaires utilisent le tanin comme un astringent, un anti-hémorragique, et pour prévenir les fausses couches. C'est un produit dosé pour avoir une efficacité optimale pour l'animal. Les Sifaka trouvent du tanin dans le kili, mais aussi dans une autre plante, le fi-ami. Le tanin, comme d'autres toxines, combat les parasites intestinaux. Sans doute est-ce une protection pour les fœtus Sifaka. Si l'on écoute Paracels affirmant que la dose fait le poison, alors les Sifaka semblent connaître les limites de leur propre tolérance. Des recherches plus poussées doivent être menées et étendues à d'autres espèces de lémuriens. Mais l'efficacité de cette stratégie n'est plus à prouver, car les femelles Sifaka de la forêt de Kirindi accouchent tous les ans contre une fois tous les deux ans ailleurs à Madagascar. C'est l'origine de leur comportement et la façon dont elles le transmettent qui demeure mystérieux. Pour y voir plus clair, il nous faut remonter le temps, vers notre passé le plus lointain, quand nos ancêtres commençaient à peine à se différencier des grands singes. Leur manière de soigner la maladie offre un instantané de ce que notre médecine a pu être il y a des millions d'années. Peut-être les chenilles ne comprennent-elles pas grand-chose, mais qu'en est-il des grands singes ?
Que savent ces créatures intelligentes du traitement des causes et des symptômes de leurs maux? Nous voici revenus au cœur de la montagne Mahale en Tanzanie, chez nos plus proches cousins, les chimpanzés. Ici, la saison des pluies dure 6 mois de novembre à mai. Il y a peu d'abris contre les orages violents et les pluies torrentielles. Bien qu'une fourrure épaisse fournisse quelques protections, elle est fréquemment détrempée. Cette période est difficile pour les chimpanzés. Ils sont vulnérables à la maladie, attrapent des rhumes et toussent. Avec la pluie, vient une pénurie de nourriture de qualité. Pourtant, les chimpanzés sont omnivores. Ils mangent de la viande, des feuilles et des fruits, comme des agrumes, qu'on appelle fruits de sabbat, et des figues. Mais ce n'est pas le temps de l'abondance. Les fruits mûrs sont durs à dénicher. C'est un festin rare qu'on ne souhaite pas partager. Le professeur Mike Huffman, primatologue à l'université de Kyoto, et Mohamedi Kalunde, pisteur au parc Mahale, travaillent ensemble sur le thème de l'automédication animale. Leurs recherches comptent pour beaucoup dans ce que l'on sait aujourd'hui du traitement de la maladie par les chimpanzés sauvages. Des pluies torrentielles et une alimentation pauvre laissent les singes maigres et fatigués. Ils sont vulnérables aux attaques des parasites. Les chimpanzés sont contaminés en mangeant des feuilles et de l'herbe infectées par des larves de ver qui prospèrent dans ce milieu chaud et humide. Après un mois sous la pluie, nombre d'entre eux montrent des signes révélateurs d'une infection de parasites, diarrhée et kystes à l'estomac. Les kystes de cette femelle résultent probablement des vers enfouis dans les parois de ses intestins. Mais elle ne va pas rester passive. Les chimpanzés infectés disposent d'un traitement, un étrange comportement qui a longtemps déconcerté les scientifiques jusqu'à ce que Mike Huffman l'analyse. Les grands singes prennent une feuille rugueuse d'aspilia, une seule à la fois, très soigneusement et très lentement. Ils l'introduisent dans leur bouche, la plient 2 ou 3 fois, puis l'avalent. Et ils vont répéter cette action 100 fois par séance. Si l'on multiplie cela par 100, l'estomac ne sait plus quoi en faire. Ce n'est pas quelque chose qui peut être digéré. Il le pousse donc naturellement à travers le système digestif et au bout de 6 heures, 100 feuilles quittent l'appareil intestinal en expulsant les vers. Ces feuilles rugueuses agissent un peu comme un velcro. Elles purgent les entrailles des chimpanzés des vers. L'aspilia et quelques 40 autres plantes sont utilisées par les grands singes aux mêmes fins.
elles ont toutes des caractéristiques physiques identiques. Une surface rugueuse et velue. On dirait de la spilia, il faut que je la nettoie pour voir. Ça pourrait en être. Non, c'est du luago. Ficus exasperata. Il y a un ratio plus élevé que la moyenne. Habituellement, nous avons deux feuilles par verre adulte, mais dans cet excrément, on trouve peut-être quatre morceaux de feuilles. Et nous avons déjà 10 verres. Les verres sont expurgés avec les feuilles de luago. Partout en Afrique, les chimpanzés, les bonobos et les gorilles appliquent le même traitement. Mais il est rare que l'on en soit témoin. Nous savons que les chimpanzés pratiquent cette purge tôt le matin ou l'estomac vide, souvent durant la saison des pluies, lorsque les parasites sont actifs. Ces singes construisent des abris de nuit dans les cimes des arbres. Et s'ils sont fatigués ou malades, ils en construisent d'autres pour se reposer durant la journée. Ce jeune chimpanzé collecte une plante médicinale très puissante. Ce n'est pas de l'aspilia, mais une autre plante à leur disposition, de la Vernonia amygdalina. Vernonia agit d'une façon distincte. Au lieu de récurer violemment les intestins, la sève amère contenue dans sa tige intoxique les parasites. Cette sève contient des éléments chimiques qui inhibent leur activité et tuent les microbes. Le peuple Tongoué de Mahalé utilise la même plante comme médicament. Mohamed Kaloundé connaît ses propriétés car il n'est pas seulement pisteur, mais aussi soigneur traditionnel. Nous utilisons cette plante, Vernonia, que nous appelons Mujonzo, pour purifier le sang et pour un certain nombre d'autres applications. Nous mettons les feuilles dans l'eau et les faisons bouillir. Ensuite, nous buvons cette décoction, mais nous nous couvrons aussi de couverture et inhalons la vapeur des feuilles bouillantes. Cela nous fait beaucoup transpirer. Nous utilisons cette plante pour soigner la malaria. Les chimpanzés disposent d'un système de traitement complexe pour combattre la maladie. Ils peuvent combiner des remèdes chimiques comme la Vernonia à d'autres mécaniques comme l'aspilia. De plus, leur rituel dépouillage quotidien préserve leur peau des parasites. Mais les primates réalisent-ils en absorbant ces plantes qu'ils ciblent les causes de la maladie? Si c'était le cas, nous pourrions nous attendre à ce qu'ils utilisent les plantes avec lesquelles ils traitent certains maux pour en soigner d'autres, comme les blessures par exemple. Ce qu'ils ne font pas. Les capucins n'utilisent pas d'agrumes sur les coupures, alors que ces antihistaminiques pourraient accélérer leur guérison. Même les animaux intelligents ne sont peut-être pas conscients qu'ils traitent les causes de leur maladie, mais cherchent simplement à calmer des sensations déplaisantes. Il est difficile de le savoir. En fait, de nombreuses sociétés humaines ne sont peut-être pas conscientes de ce qu'elles combattent en prenant des médicaments. Elles ont toutes leurs idées sur les causes de la maladie, mais leur interprétation n'est pas toujours correcte. Je pense qu'on peut affirmer que les chimpanzés, ainsi que d'autres animaux, savent s'ils ne se sentent pas bien et comment faire pour aller mieux. Ils n'ont donc pas besoin de connaître tous les détails pour être aptes à traiter un symptôme et à savoir quand le symptôme disparaît. La science a réalisé depuis deux décennies seulement que les pressions de l'évolution ont poussé la faune à pratiquer une véritable médecine animale. Et les animaux ont sans doute des pratiques que nous ignorons encore.
Toutefois, pour que nous puissions explorer le potentiel de la pharmacologie naturelle, encore faut-il que leur habitat sauvage soit préservé.